cette année, à Dorval, on a décidé de faire à 5 endroits, 5 sculptures différentes. On va avoir Jet dans diverses situations. Jet qui est la mascotte de Dorval. C'est genre le cousin lointain de Youpi, mais qui a eu froid. Donc c'est ça, on va le voir en sirène, on va le voir en explorateur, on va le voir qu'il lit un livre, on va le voir avec ses enfants, puis du patinage artistique. So this year, we chose to do 5 different sculptures that will be at 5 different places in Dorval City. And we have Jet that is the city's mascot, like a distant cousin of Youpi, but that is cold because he's blue. But since it's snow, it will be white anyway. So, and we will see him as a siren, reading, figure skating, and with his kids, and the explorer. Particulièrement cette année, ça vaut la peine de sortir de chez soi, puis d'aller voir ces sculptures-là, ne serait-ce que pour sortir, réaliser que la vie continue à l'extérieur. Puis en plus, c'est que tu es à l'extérieur, c'est COVID safe. Puis en même temps, c'est de l'art qu'on voit à l'extérieur des musées qui est gratuite, qui est offert par la ville. Puis c'est intéressant justement de constater comment, quel processus qui a été utilisé, essayer de deviner c'est quoi les processus physiques qui tient tel morceau par rapport à tel morceau. Puis en même temps, ben ça émerveille les petits comme les grands. Ça nous permet de retrouver notre cœur d'enfant. Et ça émerveille l'esprit d'adulte sur la complexité de faire une œuvre aussi grosse comme ça. It's worth getting out of your couch, getting outside and see those carvings that are placed in many places in the city to get in touch with your youth heart and your adult mind to see what you can do with snow that big and think and realize that all the efforts that are in it in many aspects, not only me but also the people that works in the city to make this possible for you to have activities that are COVID safe because you're outside and it makes you move and it makes you happy in your heart. So it's worth seeing, it's worth getting off your Netflix couch. Ha ha ha.